44e minute de jeu, pénalité jouée au pied par Nuiton. Ouais. Et on va avoir une touche bien placée, une touche à 5 mètres. Merci, pardon. Alors on va voir ces images de Noé, Noé qui est au cœur du combat, Noé qui sent le rugby, ce petit joueur 10 sur-tille, et qui nous fait des belles images bord de terrain, pour le plus grand plaisir de son papa. Et des spectateurs. Et des spectateurs, bien sûr. Oui, bien capté par Bonneuve. Alors on se structure bien. On dirait ça tout seul. Donc Orléans n'est pas... Dans les secs. Et ça travaille, on voit le beau travail, oui. Non, non, il est pas au ballon. Allez, on, là c'est des jeux à une passe. Non, là on fait des pick and go, on avance. Lâchez jaune. Jaune. Allez, on va retrouver une cellule d'avant avec Antoine Lito. Et voilà qui est encore au corps du combat. Les joueurs d'Orléans qui sont bien présents là. Ouais. Dans les starting blocks. Ça écarte bien. De Maxime Lombard. Voilà, c'est défait des deux plaquages. Hein. Le problème en plus jaune, c'est qu'il y a un joueur de votre équipe. Ah, quel joueur ce Maxime Lombard, hein. Là, ici, non. Voilà, comment. Et Lucien Jacques qui rentre la meilleure des façons dans cette deuxième mi-temps. Absolument. Je pense que les mots des coachs ont pesé et comment étaient nécessaires pour cette équipe de nuit qui, qui, au dire du président, n'avait pas mis les. Comment les ingrédients nécessaires, mais c'est vrai qu'ils sont bien rentrés dans cette deuxième mi-temps. Et voilà, l'échappée voilà, de cette balle après les plusieurs temps de jeu auprès de la ligne. Et Maxime Lombard voilà, qui échappe au plaquage. Allez, on va voir la transformation. Ouais, ça passe sans problème. Pour le buteur maison. Ouais, Saint-Georges qui.